C'est un premier pas vers une bonne rentrée scolaire 2022-2023 au profit des élèves vulnérables de la commune du Golfe 3. Le geste vient des premiers responsables de la dite commune avec le concours de ses partenaires. Il vise non seulement à soulager un tant soit peu les peines des parents de ses élèves, mais aussi de contribuer à des meilleures conditions d'éducation pour ces derniers. On espère que ça constitue une émulation pour ces élèves afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes au cours de l'année scolaire et sortir des résultats très probants et donc passer en classe supérieure, ce qui fera la fierté de leurs parents et également des autorités de la commune, puisque nous faisons de l'éducation également un levier de notre développement au niveau de la commune. Ils sont au total 300 élèves vulnérables de 13 groupes scolaires de la commune à bénéficier de ces kits scolaires aussi et surtout des mains de l'artiste chanteur français Dadju, présent à Lomé pour sa première. Une fierté pour les bénéficiaires. Je remercie beaucoup la CIT qui vient de nous donner ce kit scolaire parce que cette année c'est un peu difficile. Donc avec ce kit-là, il peut aider aux enfants, aux mamans de ne plus payer encore notre kit pour les enfants pour l'année scolaire 2022-2023. Bonne chance donc à ses élèves.